Yo, le clan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre Gisobog qui réagit à vos rappeurs, rappeuses et artistes préférés, où qu'ils soient dans le monde. Je les cherche, je les trouve et je vous les ramène. Les gars, je sais bien que vous me jetez l'œil, je sais que vous me portez l'œil, parce que où que j'aille, il y a une dinguerie. Ce matin, par exemple, en allant acheter une baguette, j'ai failli tomber sur la route. Je sais pas comment, comme si on m'avait attaché les pieds. En revenant, j'ai écrasé une crotte de chien, une grosse crotte, genre dégueulasse, dégueulasse de ouf. Oui, je vous dois quelque chose. Je vous ai récemment demandé de choisir une réaction entre l'album de Bébé Jack et celui de SDM. Et vous n'avez pas été nombreux à réagir, mais ceux qui ont réagi le plus étaient sur Instagram. Et ils ont choisi l'album de Bébé Jack. Du coup, j'ai fait cet album, mais le problème étant qu'il pèse énormément. Donc, j'arrive pas à le mettre sur la plateforme parce que c'est quasiment 2 heures. Parce que c'est les sons entiers, c'est 17 sons et 17 analyses, 17 essais. Vraiment, ça pèse de ouf, j'arrive pas à le mettre. Et quand je pourrais le mettre, je le mettrais quand même parce qu'on dit que la promesse est une dette et je compte bien assumer cette dette-là et mettre ce truc sur la plateforme YouTube, peu importe si elle est encore dans l'heure du temps ou pas. Ceci étant, on part sur une nouvelle vidéo réaction. Les gars, j'ai récemment découvert sur Instagram un bug qui nous racontait comment ça se passait en studio avec un air plutôt humoristique qui s'appelle IB. Il est du côté de la Belgique. C'est un gars grâce auquel on va découvrir beaucoup de pépites belges. Et bientôt, il se lance sur YouTube. J'espère que je vais pouvoir regarder, pouvoir être à jour. Grâce à lui, quand même, on sera à jour sur le rap belge. Ça, c'est sûr. Même si sur le rap FR, on n'est pas tellement à jour ou qu'on fait les mêmes choses, je pense que là, ce sera quelque chose de différent parce que le gars apporte une touche de drôle dans un clip. Et là, on va justement réagir sur une de ces vidéos et sur le clip en question. Allons-y. Là. Tu m'entends, c'est comment? Ah, tu connais, on est là, le plus qui veut et toi, ça va? On est là, gros, c'est quoi le thème? T'es venu découper, faut m'expliquer ce que tu vas faire un peu. Ah, ça va découper une petite drill orientale un peu, t'as capté, on drill peut. Orientale? Gros, faut expliquer. Ménage, écoute. J'ai capté. Drill orientale. Je teste toi, besoin d'assistance. Ma balle te traverse, peu importe la distance. Il est plus qu'un danse, mais c'est pas TikTok. Big shot, le bébé comme la crosse. Faire du bif sur le côté comme Walker, c'est un Walker. Pesé, pesé comme Stalker. Tout de H, juste glacial, des rêves en Lamborghini et des cauchemars en Dacia. Il faut du cash sur la mélo, température zéro. Je suis neuf comme Aguero. Il me faut du cash, c'est la trap life, pas de Mac Light. Je suis précis comme 4 snipes. Ils se demandent pourquoi je suis distant, je suis sur un. Je veux jouer les trafiquants. Hat trick avant la mi-temps. Je suis un simple comme en Afghanistan. Non, voilà, gros, c'est chaud. T'inquiète. Non, c'est chaud. Je t'avais dit. Voilà, c'est chaud. Moi, je m'attendais pas à ça, en tout cas, t'as vu. Bon, frérot. Attends, tu t'es moqué TikTok un peu, par contre. Ouais, un peu, tu connais. Voilà, on va aller sur la réaction de ce son parce que moi, il me plaît déjà comment il a fait et comment il est parti. Yo, le clan, c'est parti pour cette fucking réaction. Let's fucking go! Alors, le titre sur lequel il était tout à l'heure, c'était Potion, Potion de H22. Let's fucking go pour cette fucking réaction, les gars. La drill orientale, il a dit. Mélange les couleurs dans la potion. Le temps c'est de l'argent, j'en perds la notion. J'ai fait sauter leur tête à la caution. S'ils essayent de copier ma potion, je suis sur le terrain comme averse. Je peux voir les billets, on dirait une averse. Envoie le cash et une adresse, car c'est la vraie vie, je te pars pas métaverse. Faut pas que tu compares nos levels. Des grosses cartes en euros, j'en ai 7. J'ai fini le scam sur le PSN. On a la fibre, ils ont la DSL. C'est trop sale, donc on ferme les rideaux. Pas le temps pour les hop et ni pour les mythos. Et je leur balance le feu comme un zippo. Je m'occupe même pas d'eux, je leur envoie des petits rots. Change de spot et on change de sim. T'inquiète pas, on rattrape pas nos chances de tir. À part Dieu, j'ai peur de son père. Donc je garde mes arrières droits comme Trent. Si tu croises les traits, chlasse-les. Si tu croises les babes, trace-les. Si dans le bendo, c'est toujours la même chose. Les frères portent le Glock ou bien le bracelet. Je mélange les couleurs dans la potion. Le temps c'est de l'argent, j'en perds la notion. J'ai fait sauter leur tête à la caution. S'ils essayent de copier ma potion, je suis sur le terrain comme averse. Je peux voir les billets, on dirait une averse. Envoie le cash et une adresse. Car c'est la vraie vie, je te pars pas métaverse. Tu testeras, besoin d'assistance. La balle te traverse, peu importe.
la distance. Et les poucaves dansent, mais c'est pas TikTok. Big shot, on veut peser comme Rick Ross. Faire du beef sur le côté comme Walker, Skywalker. Les épistés comme Stalker. Trop de hache, je suis glacial, des rêves en Lamborghini et des couchements en Dacia. Il me faut du cash sur la mélo, température. Je fais des rêves en Lamborghini et des cauchemars de Dacia. Ou des rêves de Lamborghini et des cauchemars de Dacia. Le flips, toujours le flips. En gros, c'est le sommet. C'est quand tu as atteint un certain niveau de ta vie que tu n'avais pas avant, tu vois. Tu es dans la réalité. En réalité, voilà, tu rêves de Lambo et tu fais des cauchemars de Dacia. C'est comme si tu étais riche et tu faisais un rêve où tu redevenais pauvre. Tu vois un peu, tu étais devenu riche et t'as peur de redescendre. T'as peur de redescendre. Donc là, tu es obligé de donner le maximum de toi-même, de donner toute la force, toute la fougue, mon gars. Zéro, je suis neuf comme Agüero. Il faut du cash, c'est la trap life, pas de Mac light, je suis prisé comme Cat Snipe. Qui se demande pourquoi je suis distant, shot sur un qui veut jouer des trafiquants. Hat-trick avant la mi-temps, je nous sens belle comme en Afghanistan. Je mélange les couleurs dans la. Il s'est pris pour Alan, il met hat-trick avant la mi-temps. Il n'y a pas qu'Alan, bien sûr, il y a aussi le père des attaquants en ce moment. J'ai cité Robert Lewandowski. Même si Mbappé aussi est capable de te mettre un hat-trick avant la mi-temps. Parce que là, en ce moment, c'est chaud. Je ne sais pas si vous regardez la Coupe du Monde, mais c'est chaud de ouf. Désolé pour les Belges, mais c'est bon, quoi. C'est bon. Bye, genre. Bye. La France est encore là. Et le Maroc, surtout, est là. C'est bien pour l'Afrique, peu importe les polémiques qu'il y a autour de ce que Bouffal a dit. C'est vraiment historique pour l'Afrique, historique pour le continent. Après, il peut la dédier à qui il veut. Mais lorsque le Maroc joue, c'est toute l'Afrique qui est derrière elle. Je ne sais pas si les Algériens sont derrière eux. Ça, c'est leur problème. Mais toute l'Afrique est derrière le Maroc et on sera derrière eux encore. Demain, même si ça va être difficile contre la France, parce que d'un côté, on est là. Et de l'autre côté, on vient de là-bas. Donc, c'est chez nous. Ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Mais ça va péter dans tous les coins. Couleur dans la potion. Le temps c'est de l'argent, j'en perds la notion. J'ai fait sauter leur tête à la caution. S'ils essayent de couper ma potion, je suis sur le terrain comme averse. Je peux voir les billets, on dirait une averse. Envoie le cachet, une adresse. Car c'est la vraie vie, je te pars pas métaverse. Je mélange les couleurs dans la potion. Le temps c'est de l'argent, j'en perds la notion. J'ai fait sauter leur tête à la caution. S'ils essayent de couper ma potion, je suis sur le terrain comme averse. Je peux voir les billets, on dirait une averse. Envoie le cachet, une adresse. Car c'est la vraie vie, je te pars pas métaverse. Bon son, il a géré sa dribble orientale, il a géré ses placements, il était là, il était prêt, il savait ce qu'il était allé faire dans le studio de IB. Et le son est là quoi, la potion est bien, on boit l'élixir, la potion elle est belle, on a bon son, bon flow, bel instrument, beau beat, oui, bel instrumental, de beaux placements, de bons flips, de belles punchlines. Franchement, bon son dans l'ensemble, très beau morceau. Et pour la vidéo, c'est une vidéo à la... Je m'en bats les couilles, tu vois un peu, je fais ce que j'ai à faire et basta. Donc elle est riche en couleurs, il y a des scènes de concert avec Central C à l'intérieur et tout. Franchement, bon son pour moi, bon son. C'est pas une découverte H22, mais j'avais jamais écouté le son. Du coup, comme je vous ai dit, IB nous permet de voir, de nous mettre à jour quasiment, quoi. Alors, le clan, j'espère que vous avez aimé cette réaction. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu pour qu'on atteigne notre objectif de cette fin d'année, les gars. Je compte sur vous. Merci pour le soutien et pour la force que vous donnez. Le clan, Sumer.